mise en danger que Alexis Guendouza de... Attention, Romain Bayard là-bas, côté gauche. Il va essayer de centrer. C'est prolongé par bas pour Lamine Gueye. Et il voit l'ouverture du score. On l'a dit tout à l'heure, Lamine Gueye, c'est vraiment un diable. C'est le joueur le plus décisif de ce championnat national. Et sur ce centre de Romain Bayard, prolongé par Idriss Aba, c'est lui, Lamine Gueye, qui est au deuxième poteau pour croiser sa frappe et donner l'avantage à des Béarnais qui, on le disait, étaient bousculés par cette équipe du Puy. Senti toute la semaine pas confiant plus que ça. Attention, c'est bien joué ça rapidement. Ah oui. Avec... Et voilà, ah ben... c'est l'égalisation. L'égalisation des Ponos. Juste magnifique coup franc joué rapidement par le capitaine Loïc Dufaux pour Chergui. Chergui qui ne se trompe pas. Mais c'est bien joué encore, Chergui là qui rentre dans la surface. Il provoque. Et il marque. Il donne l'avantage au Polo. Magnifique action sur cette touche. Une fois de plus, un peu à l'image du coup franc tout à l'heure. Les hommes de Roland Vira qui jouent rapidement. Allez, il, qui joue là-bas pour Dufaux, son capitaine. Mais c'est un Pono qui est à la retombée du ballon. Attention, encore récupération. Deuxième chance. Et c'est le troisième but. Le troisième but, les Ponos qui font le break. Stupeur ici, ah ben... au nouveau stade du Pau FC. Attention, Lamine Gueye, Lamine Gueye. Oui, qui s'appuie, il est passé là-bas, il est passé Lamine Gueye, il croise sa frappe et il réduit le score. Il s'est bien appuyé sur Idriss Aba pour relancer le Pau FC et réduire.